Et toi, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Bonjour, vous allez bien? Je suis avec Sam aujourd'hui, derrière la caméra. Hello. Vous l'aurez entendu. Et s'il faut que j'allume? Ou la lumière est bien? La lumière est bien. La lumière est bien? C'est d'une fois si on fait ça? Parce que la lumière est mieux, mais il y a un flash dans la... Il y a un flash. Eh ben, voilà. Écoutez, ce sont les joies du direct. Tiens, on n'a pas sorti ça. Eh, hey, qu'est-ce que... Hein? Ça faisait longtemps. Ça faisait une semaine. Qu'est-ce qu'on a reçu? J'ai fait un spoiler, spoiler alerte derrière moi. Qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, qui est sorti déjà. Des choses qui étaient déjà. Elle bouge la table, non? Des choses qui étaient déjà sorties, mais qu'on a enfin reçues. Pina Colada Ice. Bien évidemment, par souci d'originalité, à la base, on voulait le présenter en buvant des pina colada. Bon, bah, on a fait autre chose. Hein. De toute façon, on est d'accord, t'es pas majeur, t'as pas le droit de boire d'alcool. Si, je suis majeur. Quoi? Je suis majeur, enfin. Mais si, pourquoi j'aurais pas le droit? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Toujours. Mais si vous voulez jouer à Pina Colada Ice en buvant des Pina Colada, vous pouvez. C'est un jeu de Yann Dupont, illustré par Crocotam, pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et des parties de 10 minutes. Votre but, marquer le plus de points possible, ou bien réaliser un pina colada ice, c'est-à-dire aligner 4 pions de votre couleur sur les sous-bocs ici présents. Pour cela, vous avez 3 lancers de dés. J'ai essayé de ne pas les lancer trop violemment. Et vous allez essayer de réaliser les combinaisons qui sont demandées ici. Il y a ça. Je vais relancer ça, voir ce que ça donne. Wow, c'est pas... Il n'y a pas le triple 3. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, je vais t'as m'arrêter encore là. Lancé. Ouais, mais je vais m'arrêter là. Parce que je peux venir me positionner ici. Ce sous-boc, là, me dit que du coup, il faut que le résultat de mes 5 dés soit forcément des valeurs... Ah non, ça marche pas. Impair. On n'a rien vu. Mais non, on n'a rien vu. Voilà, je suis la première à me positionner dessus. Je marque 3 points. Et ensuite, c'est à toi. Sur là, comme ça, quand vous avez 2 cases pour les points, vous avez le droit d'être 2. Vous n'avez pas le droit d'en mettre 2 à vous, mais vous avez le droit d'être 2 joueurs. Sur les cases où, quand il n'y a qu'une seule case, ben, vous avez le droit d'être tout seul. C'est tout simple, voilà. Là, c'est une mise en place pour 3 joueurs. À 2 joueurs, tous les sous-box sont cotés une seule place. Mmh. Et à 4 joueurs, ils sont tous cotés, il y a 2 places. Okay. Voilà. Et il y a encore... Donc là, c'est une mise en place 3 joueurs. C'était une mise en place 3 joueurs, absolument. Tout à fait, Thierry. Et il y a encore... Pas mon prénom, mais je suis stagiaire, ah, j'ai pas le droit de parler. Oui, non. Non, non. Parce que tu sais très bien que sinon, je te menace... Et potentiellement, je te frappe. Je viens dans la réserve dormir encore dedans. Je dormirai par terre en position fœtale. Oui, d'accord. Je mangerai la colle des enveloppes. Je t'ai dit que tu avais le droit de manger des enveloppes. C'était plus nourrissant que la colle. Merci. Quelle gentillesse. Trop sympa. Voilà, pina colada ice. Tout simple. 10 minutes de partie. La DA est super sympa. Ouais, franchement. C'est très joli. Petit jeu de dés. Petit jeu de dés pour l'été, j'aime bien parce que tu vois, ils ont fait ça bien chez Yellow. Ils ont précisé que c'était un jeu de dés. Bien joué. On se serait pas douté avec le dé sur la jaquette. Puis avec le fait que ça s'appelle Pina Colada Ice. Non. Mais... Tu sais, il y a des gens qui parlent pas anglais. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui savent pas que Dice, c'est le dé en anglais. Voilà. Tu m'en veux pas, j'ai qu'une main, je te tendrai seulement le sachet. Aucun effort de la part de ce stagiaire. Oui, bah là. Oui, bah en fait, je vais le lâcher. Super. Il y a une variante Happy Hour à l'intérieur qui dit que quand vous, une fois vos 3 lancers effectués, si vous ne pouvez pas poser de pion sur un des sous-bocs, vous lancez un dé et vous appliquez l'effet. Vous allez pouvoir faire gagner des. Oui. Vous allez pouvoir faire gagner des points aux autres. Vous allez perdre des points. J'allais dire pouvoir perdre des points, mais c'est pas. C'est pas si, le truc allez, un peu... moins 5. Ouais, allez, ça fait plaisir, j'ai envie. Moins 3. Vous allez pouvoir récupérer des pions. Crache toujours autant ses poumons. Vous allez pouvoir
retourner des sous-bocs et renvoyer les pions qui étaient dessus dans la réserve des autres joueurs. Vous allez pouvoir récupérer des pions pour les repositionner après, etc., etc. Ça peut vous permettre de mieux tenter le piña colada dice. Voilà. Voilà, c'est arrivé. C'est mignon, c'est là. Tu crois que je les pose comme ça au fur et à mesure? Ouais, c'est classe. Voir si après on me voit encore. On a reçu les 5 tours. Ah. Un jeu de construction de tours dans lequel on essaie d'être le meilleur architecte. C'est un jeu de Casper Lapp pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans et des parties d'une trentaine de minutes. Contrairement à son design un peu mignon et enfantin, c'est plus stratégique que ce qui paraît. Alors, hop, hop. Vous allez avoir 5 types de tours différentes puisque ça s'appelle... Les 5 tours. Merci Sam. Ouais, je suis un peu. Bravo, félicitations, tu devrais avoir ton diplôme. À chaque tour de jeu, il va y avoir 5 cartes qui seront révélées comme ceci. Chaque joueur va devoir faire une annonce disant combien de cartes il peut récupérer pour placer devant lui. Sachant que vous n'allez pouvoir construire que 5 tours maximum et que chaque carte que vous récupérez doit être posée dans une tour dans l'ordre décroissant de la plus grande valeur vers la plus petite. Ceci illustré purement et simplement par le fait que le haut de la tour, c'est toujours un 0. Voilà, ça va de 15 à 0. Voilà, une fois que vous avez récupéré les cartes, bah, vous les posez devant vous. Par exemple, là, bah, moi, je dis que je pouvais en récupérer 3. Toi, tu pouvais en récupérer que 2. C'est comme ça, c'est la vie. Je récupère ces 3-là, on défausse ces 2-là. On en remet 5 autres. C'est bien mélangé. Ouais, c'est parce que je les ai regardés tout à l'heure. Et du coup, je les ai mises par catégorie. Et vous allez, comme ça, continuer jusqu'à ce que on ait épuisé 2 fois la pioche de cartes. Après quoi, vous comptez vos points. Chaque carte dans une tour vous rapporte 1 point, fois 2 s'il y a un toit. Mm-hmm. Plus 1 point par carte dans votre tour la plus grande. Celui qui a le plus de points gagne. C'est pas plus compliqué que ça, mais en fonction de comment vont tomber les cartes et de ce que vous avez récupéré, ben ce sera pas forcément toujours simple à construire, puisqu'en plus les autres vont vous batailler certaines cartes, donc vous allez essayer d'en récupérer alors que c'est plus la peine. Elles sont déjà chez les autres, inutile d'attendre ce 8 et ce 9. Il y a des petits trèfles sur toutes les cartes, en fonction du style de la tour. Totoro. Oui, il y a Totoro dans la tour Sylvestre. Je l'ai dit à l'espagnol. Il y a Totoro, il y a Peter Pan. Il y a Bulbizarre. Oui, il y a Calcifer et une Mandragore. Et là, il y a un Ewok. Attends, on n'avait pas vu l'arbre Mojo. Oui. Trop fou. Et ça, c'est... Ah, dans Avatar. Ouais, exactement. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, il y a Mercredi Adams. Là, il y a Ghostbusters. Il y avait Charlie et la Chocolaterie, non? Il y avait Wonka. Oui. Il est totalement là. Gosse. Je suis en train de... Il y a de... Alien aussi, il y a plein de trucs. Dans la tour mécanique, regarde, il y a l'œil de Sauron. Il y a le marchand de sable aussi de 5 légendes. Oui. T'as la rêve des 5 légendes, je suis un peu fière de toi. Ça arrive pas tous les jours, profites-en. Merci. Oh, d'accord. Ah, bon, d'accord. Le compliment qui n'en est pas un. Le compliment déguisé, ouais, là. Ah, voilà. Vous aurez 2 cartes un peu particulières qui sont le 8 et le 9. Le 9, vous avez le droit de le poser par-dessus n'importe quelle valeur. Donc, vous avez le droit de faire ça. Même si, normalement, ça doit être dans l'ordre décroissant. Mmh. Le 8, ce sera l'inverse. Vous avez le droit de mettre n'importe quelle valeur au-dessus. Par exemple, ceci. Alors que, normalement, il aurait fallu mettre plus faible. Voilà. Ça marche. Le but, bah, avoir la plus grande tour. Oui. Les plus grandes tours. Il m'a fait glisser la balle sur la table avec un dédain. Non. Si. Ok. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile tous les jours, je vous le dis. C'est faux. Bah, on devrait avoir. Message, le 17. Remarque, après cette vidéo, on aura peut-être beaucoup moins de demandes de stage. On ne sait pas. Peut-être. Tout est possible. Tout est possible.
Est-ce que tu veux expliquer 1%? Oh punaise. Alors, 1%. En gros, c'est un jeu de bluff et de surenchère. J'ai qu'une main. Mais t'inquiète, moi je... Alors ça, c'est l'aide de jeu. On a donc 5 familles, 5 types de cartes. Donc les éclairs, les trèfles, les étoilés, les requins et comètes. Alors ça, c'est quoi le but du jeu, Sam? Alors le but, ça va être de surenchérir. Admettons, moi j'ai une main de 3 cartes avec 3 trèfles, 4 requins, 4 comètes. Et je vais te faire croire que potentiellement, dans nos deux mains, ensemble, on a 8 comètes. Donc on va annoncer la valeur qu'on pense avoir en tant que comète, que requin, etc. Tu bluffes Martoni, ok, tu me montes ta main. Ça me fait rire quand je t'ai dit ça l'autre jour. Ah oui, mais j'adore. J'allais dire. T'es là en train de jouer, d'un coup j'ai fait tu bluffes. C'était de la peur, mais ça m'a marqué, ça y est. Et du coup, bah si effectivement tu bluffais, eh bien t'es éliminé. Et si jamais je me suis trompé, eh bien je suis éliminé. Et auquel cas, on passe de la phase d'annonce à la phase de récompense. Alors cette fois-ci, il y aura du coup avant la phase d'annonce, donc dès le début du jeu, 3 cartes récompense à côté de la pioche récompense, qui ont des effets différents. Alors le 4, peut-être expliquer ce en quoi le jeu. Le but du jeu. Le but du jeu, on a 2 D10. Le but est de faire 2 D10. Le but est de faire 2-0. On a 1% de faire 2-0. Il y a 1% de chance, et c'est pour ça que le jeu s'appelle comme ceci. Vous avez 1% de chance de faire un double 0 avec ces dés-là. Votre but, récupérer des récompenses. Qui vont vous aider à faire un double 0. Pour cela, comme a expliqué Sam, il va y avoir une phase de bluff. Pour ceux qui auront joué à Perudo, vous reconnaîtrez le système du Perudo. Vous avez 3 cartes en main. Et vous allez annoncer. Ben moi, je pense qu'il y a 6 étoiles. Toi, tu es obligé de surenchérir. Tu sais que des étoiles, il y en a potentiellement au moins 6, étant donné que tu as déjà un 5. Mmh. Dès qu'on s'accuse de bluff, on révèle. Comme disait Sam, celui qui avait raison aura droit aux récompenses. Celui qui avait tort, eh ben, il n'y a pas droit. C'est comme ça, c'est la vie. Surtout, quand on est à plusieurs, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui accuse quelqu'un de bluff? Eh bien, quand on est à plusieurs, cette fois-ci, au lieu de simplement... À plus de deux, eh bien, il va falloir que les autres joueurs prennent parti, soit... Effectivement, je pense que tu as bluffé. Soit non, ça semble probable que en fait, il soit trompé et que non, t'es bel et bien 10 étoiles. Tous ceux qui avaient raison continuent. Tous ceux qui avaient tort sont éliminés de cette manche-là, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et à ce moment-là, donc. Et ben à ce moment-là, du coup, on choisit une récompense. Le 4, par exemple, fait que on considérera un 4 comme un 0. Ce sera permanent jusqu'à la fin de la partie. Piocher 2 cartes au hasard, on pioche 2 cartes au hasard et relancer un dé. Ben, mettons, là je n'ai pas eu mon 0, j'ai eu un 3, et ben je vais venir relancer mon dé jusqu'à ce que j'ai, let's go, mon 0. Alors oui, ou sinon double 4, comme j'ai un 4, ben, ça considère les 2 4 comme 2 0. Vous pouvez également voler une carte récompense à quelqu'un. Voilà. Vous pouvez soit décider de ne prendre aucune récompense, et dans ces cas-là, vous avez 3 lancers de dés pour tenter de faire un double 0. Soit vous prenez une récompense et vous avez donc 2 lancers de dés, 2 récompenses, 1 lancer de dés, ou 3 récompenses et pas du tout de lancer de dés. Ça peut arriver, par exemple, c'est vrai que s'il y a ces 3-là, c'est plutôt alléchant. Bah, tu te dis, là je peux piocher 2 cartes, ok. Bon, bah, j'ai 2-8, ça ne me sert pas à grand chose. Là, hop, je te vole ça, relancer un dé, allez, ça m'intéressera peut-être au tour prochain. Voilà, ouais. Et dans ces cas-là, je ne lance pas les dés. Voilà. Essayez de faire le double zéro, hein. T'as le seum parce que la toute première partie qu'on a faite, j'ai gagné tour 1. J'étais là, il m'a expliqué le jeu, j'étais là, ok, d'accord, j'ai récupéré une récompense, j'ai fait, je vais prendre un 2, j'ai posé le 2 devant moi, j'ai lancé et j'ai fait... Mais t'as gagné, là. C'est ça, j'ai fait ça, et il m'a regardé avec des yeux comme des soucoupes, il me fait, mais t'as gagné? J'ai fait, apparemment, ouais. C'est bien, le jeu, voilà. Il était cool. Bon, après, il a fait la même chose sur la deuxième partie. Ouais. Voilà. Du coup, il en a conclu que c'était pas si mal comme jeu. J'aime bien les jeux, mais que quand je gagne. Quelle surprise. Quelle surprise. C'est pas souvent. Quand même. Ça, tu passes pas non plus tes journées à perdre. Non. Ça va. Regarde Captain Flip. C'est vrai, ouais. Ah, j'ai perdu mon titre. T'as perdu ton titre d'invaincu. Ouais. Je suis plus invaincu. Non. J'ai oublié de ranger des requins. J'ai déjà perdu. Oh, il y avait tout. Ah, parfait. Voilà.
évidemment, elles sont de l'autre côté. Hop, hop. Voilà, une petite boîte à emmener partout. Système de jeu qui est assez marrant. Ouais. C'est un jeu de Luc Melia, illustré par Michael Dickinson. Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, des parties de 1 à 30 minutes. Littéralement, ça peut durer une minute. Hein. Bah, je crois que ça a déjà duré une minute. Bah, la première et la deuxième partie qu'on a faite. La troisième a été un peu plus longue. Oui, on n'a pas gagné l'un comme l'autre au premier tour. Voilà, très sympa, 1%. Franchement. On parle de ça ? Ah bah oui. Bon, on en a déjà plus que 2 au lieu de 4. Les nouveaux puzzles de chez Yellow, on a fait un gros réassort de puzzles Yellow. On a plein. La nouvelle gamme, ceux-ci sont phosphorescents. Voilà, donc il nous reste l'esprit de la forêt et l'esprit du désert. On avait l'esprit de l'eau et l'esprit de la glace. Ouais. Bon, bah, on n'a pas eu le temps de vous en parler. Vraiment. Mmh. Je crois qu'ils sont partis le jour même. Oui, ils sont partis le jour où ils ont été mis en rayon. En même temps... On l'avait Cole, en plus, qui partirait vite. Oui. Bah, ils sont magnifiques. Ils sont absolument vraiment... magnifiques. Ils sont vraiment beaux. Mais 1000 pièces, je ne m'y attellerai pas. Ah ouais ? Ouais, non, j'ai pas assez de patience. Pas ce courage. Oh, je sais. Bah, après, moi, je fais que des 1000 pièces pour l'instant. Mais... Après, il est beau, hein ? Ah, il est vraiment stylé. Celui-ci, par contre, est vraiment stylé. Celui-ci avec ses nuances de noir, là ? Non, ça fait vraiment penser à Princesse Mononoke. Complètement. Bah, surtout qu'elle a le... Elle a les marques rouges sur le visage, donc ça, le crâne d'oiseau sur la tête, oui, il y a complètement, complètement un truc. Hein. Illustré par donc Paulina Linjama et Oriane Dirley. Dirler. Je pense que c'est Dirley, mais dans le doute. Qui signe ? Main droite. Enfin, ouais, là, ouais. Là. Ouais. Parce que celui-là, t'enthousiasme pas du tout ou... Non, pas du tout. Ah, pas du tout. D'accord, non, ouais, bah, pas du tout. Découvrir les codes bretonnes. Non, pas du tout, il m'enthousiasme. Ah, ok. M'enthousiaste. Pasta. Ouais. J'arrive plus à parler. Waouh. Parlons d'ascension. Heureusement que c'est la fin de la semaine. C'est surtout que c'est ascension édition anniversaire. Je vais sortir le plateau, histoire qu'on... Je vais sortir le matos. Sors le matos, vas-y. C'est bizarre ce que vous... Ouais, non, donne quand même... Ascension, qu'est-ce que c'est à part que c'est son 10e anniversaire? Ascension, c'est un jeu de deck building. Donc deck building de base, vous partez tous avec les mêmes cartes en main. Votre but, améliorer votre deck de cartes au fur et à mesure pour marquer le plus de points possible et donc gagner. Ascension, c'est un jeu de Justin Garry pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties de 30 minutes environ. Il y a un mode solo donc à l'intérieur. Je pense à toi qui me regarde et qui aime les deck building et les modes solo dans les jeux de deck building. Je te vois, Marine. Je te vois. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous allez donc partir avec tous les mêmes cartes en main. Votre but, remporter des points d'honneur. Pour être le champion éternel qui mènera ses armées contre Samael, le vilain. Non, moi, c'est Samuel. Oui, c'est vrai. Bah, à partir de... Je vais pas t'appeler Samael, t'es pas vraiment un démon. Non. Mais ça dépend. Non, je déconne, c'est mec. C'est vraiment bizarre. Ça dépend. Comment ça dépend M'inquiète un peu quand même. Non, non, toi. On annule la vanne. On annule. Cancel. Abort, abort, on Michel, fait un cut. Abort. Non, on fait pas de cut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez donc partir avec 8 apprentis et 8 stagiaires. Une milice. Non. Si vous avez donc 10 cartes. Bon, vous les mélangez, vous en piochez 5 et vous les jouez devant vous. Il va y avoir des cartes ici au milieu, donc des héros et des artefacts que vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure, qui vont vous permettre de latter des vilains grâce aux points de force, vilains qui vous rapporteront donc des récompenses. Voilà, bah, le but, avoir le plus de points d'honneur.
en ayant amélioré votre deck grâce aux héros et aux artefacts. Et on l'attend les gros biens. Vu que c'est la dixième, l'édition anniversaire, tout le design des cartes a été refait. C'est plus joli qu'avant. Ça, ce sont mes goûts perso, mais on sait que ce sont les meilleurs, n'est-ce pas? Et tous mes goûts. Écoute, chacun ses mauvais goûts et tous les gnous sont dans la nature. 22 okay. Darons. Magnifique, vraiment. C'est une, ouais. C'est une veine de tonton bourré au repas de famille. Ou d'Axel sobre. Wow. On range. Je fais gaffe. Alors de un, fais gaffe à ce que tu dis. Oui. De deux, je le prends quand même pas hyper bien. Non, je le prends pas hyper bien. Ça veut dire que du coup, sobre, j'ai l'humour d'un tonton de famille bourré. Waouh, c'est violent quand même, hein. Non, sobre, t'as de l'humour déjà tout court, c'est bien. Oui. Tu sais, c'est comme toi, t'as un bon humour de circonstance, mais pas dans les bonnes circonstances. C'est quoi ça? L'humour de circonstance, c'est quand tu fais une bonne vanne au bon moment. Ah oui, non, j'ai pas ça. Ça m'y fait des vannes, mais des fois on comprend pas. Du coup, ils nous les expliquent, mais on comprend pas mieux. Voilà. Elles sont drôles dans ma tête. Non ? Mais c'est important que tu sois ton meilleur public. Ça fait au moins rire une personne. Bon, c'est bon, Orange, vas-y. Vas-y. Voilà, du coup, Ascension, 10e anniversaire, jeu de deck building. Non, franchement, il est. Joli pet de boîte. Ouais! On en parlera après si tu veux. Ah, pourquoi pas. Je vais te filmer, c'est toi qui en parleras. J'ai une sale tronche, hein. Mais c'est pas grave. Ouah. Tu diras que c'est de ma faute, je sais pas pourquoi, mais. On termine par Petite Mère. Elle me frappe. Qui est... Petite Mère, pareil, qui est enfin arrivée. Ça a été une petite galère pour celui-ci. Mm-hmm. Hop, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. C'est bien ça. 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties de 30 minutes. Vous incarnez des gardes-côtes qui allaient devoir inspecter le Morbihan. Morbihan, breton, ça veut dire ? Le jeu Petite Mère. Alors, justement. Je sais pas. Ça veut dire non. Si. Hey. Morbihan, c'est petit. Et mort, c'est mère. Eh ben, j'aurais dit une connerie, mais sans vraiment en dire une. Voilà. Ça change. Yes, alors. Non, c'est d'ailleurs assez marrant de te dire que l'acteur Samuel Le Bihan s'appelle donc Samuel Le Petit. Ah ouais? Bah oui. Bah du coup, si tu traduis son nom, il y avait une émission de télé avec des questions il y a longtemps, et du coup, la question c'était que signifie Morbihan, et du coup, il y a quelqu'un qui avait répondu « Non, mais Samuel Le Bihan, il me semble que du coup, c'est Samuel Le Grand, donc du coup, ça veut dire grande-mère, machin. » Non, non, pas du tout. Du coup, c'était petit. Il va y avoir une tuile de départ que j'ai bien évidemment enterrée au milieu de toutes les autres, parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, eh ben, vous ferez comme s'il y avait une tuile de départ. Allez, hop. À chaque tour, vous allez en avoir. Hop. Devant vous. Et il va falloir venir les rajouter sur le plateau commun. Sauf que, il va falloir qu'elles soient toujours toutes orientées de la même manière. Comme au domino, vous allez venir coller la mer contre la mer et la terre contre la terre et pas l'inverse. Et surtout, si mon bateau est ici, il va falloir que je le déplace sur la tuile que je viens de poser. Je ne peux le faire que s'il y a de la mer. Si là, je viens coller un truc avec que de la terre, bah forcément, mon bateau ne peut pas se déplacer puisqu'il n'est pas terrestre. C'est un bateau, c'est le but. Bon, bah, le but, c'est de poser le plus de tuiles possible pour pouvoir inspecter le plus d'îles possible. Et après, et marquer le plus de points. Ça va jusque-là. Une fois que vous connaissez bien le jeu, vous pouvez jeter les tuiles, comme je viens de le faire, ou vous pouvez rajouter les deux mini-expansions qui sont Ponton et Éolienne. Chaque maison sur une île comportant un ponton
qui aurait été inspectée. Donc une tuile est inspectée quand elle est complètement entourée. Attends, j'essaie de les mettre. J'essaie de faire ça bien. Tu vois, par exemple, là, de là à de là, eh ben, je peux pas. Oui. C'est mon bateau, il va pas. C'est pareil par la taille. Voilà, bah oui, ça marche pas. Hop. Hop. Et puis, voilà. Celle-là, elle est complètement inspectée. Ça fait des points. Voilà. Donc, donc ça, ce sera un point par maison sur l'île qui a un ponton qui aurait été inspecté et un point par éolienne complètement entourée de mer. Ok. Voilà. Mini-extension déjà présente dans la boîte. La règle est téléchargeable en breton. Si on veut vraiment être préservé. Si on veut, voilà, jusqu'au bout. Ça, c'est pareil, je l'ai proposé à une copine, elle m'a fait « Waouh, je speak plus breton !» Je fais « Ah, bah dommage, j'avais un jeu pour toi. » Je speak. Oui, la phrase m'a beaucoup fait rire. Voilà, c'est très chouette, c'est... Moi, j'aime bien. Déjà, c'est coopératif, donc j'aime bien, parce que j'aime bien les jeux coop. C'est breton. C'est... Oui, alors, je me balade... Je suis pas bretonne, je me balade pas avec un drapeau breton dans tous les festivals où je vais, hein. Faut arrêter de faire ça, les gars. Faut arrêter. Mais non, mais ils le savent, depuis le temps, c'est devenu une blague. Bah, s'ils offrent un Kouign-Amann après dans un festival, je veux bien. Hein. Regarde, je suis. Tu te balades avec un drapeau breton, du coup, t'as droit à du Kouign-Amann gratos. Vraiment. Tu sais ce que c'est, une meute de beurre? C'est un Kouign-Amann à l'état sauvage. C'est un Kouign-Amann avant. C'est avant qu'il ait pris le soleil. Hop! Vous avez les aides de jeu, là, comme ça. Le rappel des scores avec les tuiles qui ont été inspectées. C'est un jeu conçu et illustré par Toben Ratzlaff. Je suis navrée, mais ça sonne pas breton, ça, par contre. Torben. Breton Torben. J'ai dit quoi? Toben? Torben. Torben Ratzlaff. Torben Dallas. Lilou Dallas Multipass. C'est là. C'est arrivé. Magnifique. Très chouette. Bah oui, traduction française, Armand Bessir. Voilà, développement Alex Cutler. Comme ça, on aura dit tout le monde. Est-ce qu'on a encore des choses à présenter? Bah écoute, je ne crois pas. On aura tout présenté, c'est magnifique. Bon, tu vas nous parler d'un truc maintenant? Ah bah. Parce que tu organises quelque chose le 23 août. Effectivement. Attends, je ne sais pas quoi faire. Allez, eh ben écoutez, le 23 août, à la boutique, aura lieu un concours de pets de boîte, très mature, où le but sera de faire le pet de boîte le plus convaincant, je m'explique. Notamment. Qu'est-ce qu'un pet de boîte, Sam? Un pet de boîte, c'est une sonorité qui fait penser à un pet, fait à l'aide d'une boîte. De jeu. De jeu. Tout précision, fait. Puisqu'on précision. Est une boutique de jeu, donc une boîte de jeu. Je vais essayer, première fois que j'essaie avec celle-ci. Pas mal, un peu trop soufflé, mais du coup, vous comprenez l'idée, et il y aura un barème, du coup, une notation. Vous serez noté sur 5, vous aurez 3 essais pour faire le plus beau pet de boîte possible. Et le vainqueur, du coup, le numéro 1, remportera le jeu de société Shippatsu de ouais. Regames. Mais ne vous en faites pas, les seconds et troisièmes auront quand même un lot de consolation qui sera... Vous verrez. Vous verrez. Vous Moi, ça participer. Me fait rire. Moi, ça me fait extrêmement rire. Est-ce que tu veux retenter 2 essais? T'as encore 2 essais. J'ai pour, encore 2 essais. Vous n'avez le droit d'utiliser qu'une seule voilà, ouais. et même boîte pour tout le concours. Vous n'avez pas le droit de changer au milieu. Donc là, il a tenté avec la boîte d'ascension. On peut la vider. Mais... Non. Ah, c'était plus décevant. Bah, ça ferait un point techniquement parce qu'il n'est que soufflé. Est-ce que tu veux essayer en enlevant le thermoformage? Ouais, essayez. C'est l'avantage de celui-ci. Il y a un thermoformage ça, en plastique. Est-ce que ça donne quelque chose? Bah, techniquement, on augmente la caisse de résonance. J'espère que... Il y a des techniques aussi. Si j'appuie sur les côtés, au centre. Ah, c'est... Le premier restait le meilleur. Le premier restait le meilleur, voilà. Le premier, je lui aurais donné un... 2,5 sur 5. Ouais, je suis d'accord. Pas voilà. plus de 3. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc, du coup, on vous attend 23. Venez participer. L'entrée est gratuite. Voilà, la promesse, oui. c'est de passer un moment marrant. C'est tout, voilà. Voilà, maintenant que tu as enlevé le thermoformage, je te laisserai ouvrir la boîte. Non, non, non. Il aura tout fait. Ça ne peut plus venir. C'est pas assez lourd. Ah, va falloir qu'on. Non, ça, c'est pas possible par contre. À l'envers, c'est possible ou c'est pas possible? Ah, ben je sais pas, c'est toi qui fais le règlement.
Bah écoutez, on verra. Hein. On verra. Écoutez, venez participer le 23 août à 18h30. Voilà. On vous attend nombreux. J'avais pas prévu ça. C'est vrai. Un P à l'envers. Ouais. Allez, salut. Enfin. Attends, mais du coup. Ha! Dans quel sens ça fonctionne mieux? Ah, merde! Anso! On a un problème là!